Chapitre 5. J'aime la France, ses aspects vieillots, son conservatisme foncier, sa culture fondamentalement rurale et toutes ces qualités que les Français s'appliquent à démentir à force de révolution, de rébellion et de poussée de fièvre. Ils aiment à se donner des airs conquérants et indiquer à tout le monde le droit chemin que l'on doit suivre. Ces donneurs de leçons, les plus impertinents qui soient, pèrent à Paris, capitale du verbe et pas seulement des beaux-arts et de la littérature. Les hommes politiques français, qui s'étripent et se fustigent sur les bancs du palais Bourbon, sont pourtant de la même famille, celle d'un conservatisme marqué qui fait que Léon Blum n'est pas si éloigné de Maurice Thérèse ni du colonel de Larocque. Les extrémistes y constituent que des épiphénomènes. Dans ce pays au charme discret, les véritables fractures se font à l'intérieur des partis. Édouard Henriot contre Édouard Daladier. Un de mes amis parisiens me confie un jour « Si vous voulez faire de la politique, choisissez la France. Si vous voulez travailler, partez en Allemagne. » Et je fais mienne aujourd'hui cette boutade plus sérieuse qu'il n'y paraît. Les pensées me bercent quand au passage de la frontière apparaissent les policiers suisses. Ils rentrent dans mon compartiment et s'adressent aux passagers de leur accent marqué « Police helvétique, passeport s'il vous plaît ». Dans le compartiment de première classe, nous ne sommes qu'un couple et moi. Ce sont des Français qui ne m'ont pas adressé la parole depuis le départ de Lyon et qui s'avisant, en voyant mon passeport rouge, que je suis suisse, daignent me sourire. « Vous allez à Genève ?»« Lausanne, » répondis-je en souriant à mon tour. Lentement, la conversation s'engage. La dame, ravie de mettre en valeur son mari, explique devant le monsieur impassible qu'il est un ancien militaire, qu'il a évidemment fait la guerre et qu'il a commandé, en qualité de capitaine, le 44e bataillon de chasseurs alpins. Il a bien sûr combattu sur le front de Champagne et lorsqu'il se décide enfin à entrer dans la conversation, c'est pour m'exposer une longue litanie d'actes héroïques, non pas des siens, mais ceux de ses hommes. Cette réserve d'officier l'honore, et malgré sa rigidité apparente, sa prise de position pour rendre hommage au courage de ses subordonnés me le rend plutôt sympathique. Parmi ceux-ci, il en distingue un tout particulièrement, qui, à l'évidence, le fascine. Il s'agit d'un certain Joseph Darnand, héros cité en exemple par toute la presse française pour avoir réussi, à la tête de son commando de nettoyeurs de tranchées, à s'emparer des plans allemands de l'offensive de juillet 1918. Je m'en souviens en effet. Ce fait d'armes est l'un des plus beaux de la guerre. Il a été salué comme une contribution exceptionnelle à la victoire. Le visage du capitaine s'éclaire. Vous connaissez notre histoire? C'est un peu étonnant pour un Suisse. Pas tant que cela. Nous sommes élevés dans l'admiration des deux grands pays qui nous voisinent, la France et l'Allemagne. La France, je comprends. Mais l'Allemagne, croyez-moi, monsieur, ce ne sont tout de même que des boches, des barbares, des êtres grossiers et belliqueux. Je vois. Le capitaine appartient à cette extrême droite française qui ne prêche pas l'amour d'autrui. Elle exalte la haine des Boches, la haine des Soviets, la haine des Juifs. J'essaie de biaiser. Vous comprendrez que nous autres qui sommes un peu le creuset commun de ces deux peuples, nous ayons une opinion un peu moins tranchée. C'est ce qui explique notre neutralité et aussi notre disponibilité pour toutes les offres de paix. Il comprend, mais il ne démord pas de sa viscérale germanophobie. Il appelle à la rescousse ses souvenirs qui témoignent des exactions allemandes en Belgique et dans le nord de la France. « Tenez, Darnand, lui, justement, il savait s'y prendre avec les frisés. » Il reprend. « Savez-vous ce qu'il est devenu après la guerre, après avoir reçu la médaille militaire des mains du maréchal Pétain et la Légion d'honneur de Poincaré? Eh bien, il est devenu transporteur à Lyon. N'est-ce pas malheureux que l'on n'ait pas conservé au sein de l'armée un homme de sa trempe, un homme qui a tué de ses propres mains des dizaines et peut-être des centaines de Boches? » Je frémis alors que la dame approuve béatement l'évocation de ces hauts faits. Des assassins qui rampent jusqu'aux tranchées ennemies, exterminent sans pitié les soldats surpris, massacrent les blessés comme on le ferait avec des animaux. Comment peut-on en arriver là? Le vieux militaire essaie de m'expliquer. C'est dans la nature humaine, cher monsieur. Nous n'avons d'ailleurs rien inventé. Les Américains pendant la guerre de Sécession, les Anglais pendant la guerre des Boers se sont livrés à de tels actes, et même à des atrocités bien pires, car les nettoyeurs de tranchées s'en prenaient à des soldats, pas à des civils désarmés. Évidemment, ces corps à corps sanglants peuvent choquer. C'est parce que la dimension des crimes s'est estompée avec le meurtre à distance, avec le fusil, le canon et les bombes. Mais le fond reste inchangé, il s'agit de frapper l'ennemi à mort. D'ailleurs, en matière de terreur, il me semble plus lâche d'utiliser les gaz qui brûlent les poumons, les chenilles des chars d'assaut qui écrasent les corps, les bombes qui tombent du ciel, que d'avoir recours à l'arme blanche. Décidément, le capitaine est un philosophe qui oppose la mort mécanique indifférenciée, lointaine, avec la mort de proximité, en face à face, qu'il trouve en quelque sorte plus humaine. Il ne s'étend pas sur le sujet et revient rapidement à Darnand.
Décidément, ce personnage l'obsède. Mais à qui s'intéresse-t-il réellement? Au héros oublié ou au camarade fidèle? Il m'éclaire sur ce point. Vous savez, c'est un homme qui a beaucoup de mérite. Il s'est fait tout seul. Ma femme l'a connu quand il était en apprentissage chez un ébéniste de Lyon. Elle pourrait vous en parler. Ravie d'être placée au centre de la conversation, la bonne dame s'exclame. C'est vrai que le petit Darnan avait un caractère bien trempé et qu'il ne craignait rien ni personne. Quand deux voyous, des gros bras, s'en sont pris à un de ses jeunes compagnons d'atelier, il les a si violemment corrigés qu'il a fallu les transporter à l'hôpital, tous les deux. Il était comme ça, Joseph, on pouvait compter sur lui. Et généreux avec ça, il partageait sa gamelle avec les autres apprentis qui n'avaient pas suffisamment de nourriture. Quand il est parti au service militaire, tout le monde a bien senti qu'il tournait une page et qu'on ne reverrait plus jamais le même Joseph. Effectivement, quand il est revenu 7 ans plus tard, car entre-temps la guerre avait éclaté, il portait une belle barrette, celle d'adjudant-chef, le béret des chasseurs alpins et de prestigieuses décorations. Mon mari l'avait tout de suite remarqué. Ils ont fait la guerre ensemble et depuis, ils sont restés en relation. Ils sont tous les deux membres actifs des Croix de Feu, dit-elle avec fierté. Décidément, rien ne me sera épargné. À peine sorti des soins attentifs du parti nazi, me voici plongé dans l'univers des Croix de Feu. 500 000 adhérents, une masse énorme, disponible, polyvalente, avec des sections féminines, sportives, paramilitaires, son mouvement social, son service d'entraide et de placement. Bref, une organisation tentaculaire. Elle a été accusée, à tort selon moi, d'avoir joué un rôle déterminant dans la sédition du 6 février 1934. Manifestement, la gauche du Front Populaire avait pris ombrage de la puissante organisation tenue d'une main de fer par le colonel François de Larocque. Ce fut un excellent prétexte pour condamner les Croix de Feu comme un mouvement séditieux et d'en ordonner la dissolution. Je ne laisse pas passer l'occasion d'interroger le brave capitaine sur ce point. « Notre dissolution ? » s'exclame-t-il. « C'est une monstruosité, mon cher monsieur. Un sale coup des communistes, des juifs et des francs-maçons contre les vrais patriotes. Nous, les Croix de Feu, ennemis de la nation ? Mais c'est le monde à l'envers. Nous accuser de comploter contre la France, nous qui lui avons tout sacrifié, et en plus par cette bande de planqués, de financiers sans scrupules, de politiciens corrompus, mais c'est le crime qui persécute la justice. Ce sont tous ces gens, ces soi-disant intellectuels, et leur gouvernement dévoyé qui nous conduisent droit à la catastrophe. Mais quelle catastrophe ? La guerre avec l'Allemagne. Nous détestons les Boches, soit, mais devrons-nous pour autant affronter encore ce pays alors que derrière l'Allemagne se profile le spectre du bolchevisme ? Dites-moi, cher monsieur, entre nazis et bolcheviques, qui choisissez-vous ? Et j'ai bien envie de lui répondre les nazis, et c'est à coup sûr ce que j'aurais fait, voici quelques jours encore. Mais la découverte de la veille, avec la filature du dénommé Nojox, me laisse un goût amer. Je me contente d'une réponse évasive. Mon statut de neutre ne me place pas dans la meilleure des situations pour vous répondre. Ce n'est pas de la neutralité, c'est de la prudence, sourit le capitaine. La prudence est mon métier, monsieur. Je suis banquier, dis-je en lui rendant son sourire. Je ne sais toujours pas aujourd'hui pourquoi j'ai fait cela. Mais l'annonce avait un effet inattendu sur l'officier qui saisit la balle au bond. Banquier ? Mais c'est la Providence qui vous a placé sur notre chemin. Figurez-vous que nous allons dans votre pays pour prospecter et pour trouver une banque discrète qui accepterait de faire fructifier nos dépôts. Je souris franchement. Je ne connais pas de banque suisse qui refuserait des dépôts et encore moins de les faire fructifier. Nos détracteurs diraient même que nous ne sommes sur terre que pour cela. Mais je dois tout de même vous préciser que je n'habite pas la Suisse romande. Et puis-je vous demander où résidez-vous ? La question n'est pas très bien formulée, mais je ne vais tout de même pas donner des leçons de français à un Français. Je suis installé à Zurich, cher monsieur. Je vais vous donner ma carte et si vous le désirez, je pourrais vous recommander un de mes confrères vaudois. Encore une fois, c'est la dame qui intervient. Elle doit tenir les cordons de la bourse ou disposer d'une fortune personnelle, car elle a sur la question un ton très décidé qui tranche avec la prudence de ses interventions précédentes. Je ne crois pas que cela soit un inconvénient, bien au contraire. Autour de nous, les gens qui vont en Suisse vont presque tous à Lausanne. Cela, le fisc français le sait. Aussi, n'est-il pas plus intelligent de faire quelques kilomètres de plus et de pousser jusqu'à Zurich ? Effectivement, vu sous cet angle, la chose est possible et même souhaitable. « Eh bien, chère madame, si ma banque peut vous convenir, elle est à votre disposition et je veillerai personnellement à ce que vous soyez satisfait de nos services. Il faut battre le fer quand il est chaud, propose le capitaine. Pouvons-nous faire affaire aujourd'hui et même sans aller jusqu'à votre établissement ?» J'hésite un instant. « Cela me paraît délicat de vous ouvrir un compte hors de la banque. D'autre part, nous sommes obligés, de par notre réglementation, de vous demander de constituer immédiatement un premier dépôt. Pour cela, nous avons ce qu'il faut. » Mais si vous voulez bien nous fixer un rendez-vous dans votre établissement, cela ne nous dérange nullement.
je téléphonerai à mon ami Darnan qui a une automobile et qui se fera un plaisir de nous accompagner. Cela ne vous dérange pas. Étant donné ce que vous m'avez dit de votre ancien subordonné, je serai curieux de le rencontrer. Je vous propose de nous revoir demain à 14h30. Nous n'avons pas le temps de beaucoup nous étendre, puisque le train entre en gare dans une symphonie de grincements et de jets de vapeur que les voyageurs n'entendent même pas, tout affairés qu'ils sont, à rassembler leurs bagages. Comme tout le monde, je me saisis de ma valise et salue mes nouvelles connaissances qui ont tout le loisir de lire sur ma carte « Comte von Adler », ultime et vain privilège de la noblesse que d'être respecté avant même de l'avoir mérité. La matinée est presque achevée et, cependant, la journée ne fait que commencer. Ma correspondance pour Lausanne stationne sur le quai d'en face et je m'y précipite. Sur le marchepied, une silhouette et un visage connu m'attendent. C'est Monica, que je n'ai pas revue depuis notre escapade berlinoise ou, pour être plus précis, depuis que nous nous sommes séparés à Augsbourg. Nous nous saluons sous le regard intrigué des douaneaux. C'est le nom du capitaine et de son épouse qui me font un petit geste de revoir. Tu n'as pas perdu ta bonne habitude de te faire des amis, cher Gottfried, et cette fois-ci, tu donnes dans l'ancien combattant. Comment as-tu deviné ? C'est simple, la Légion d'honneur et la Croix de guerre, c'est comme une carte de visite, non ? Surtout quand s'y ajoute l'insigne du PSF. Je ne connais pas cet insigne. C'est normal, le Parti social français n'a que 6 mois d'existence, mais le même président et les mêmes dirigeants que les Croix de feu. Tu veux parler du colonel de la Roque ? Exactement. Un grand monsieur au passage, en ce qu'il a empêché la dérive des Croix de feu vers le racisme, l'antisémitisme ou le nazisme. Et puis, personnellement, je n'ai aucun ostracisme envers qui que ce soit. Je ne choisis pas mes amis en fonction de leur ascendance, sinon nous ne serions pas amis. Elle rit de bon cœur. C'est vrai qu'avec un père qui s'appelle Blum et une mère qui a brillant, on peut se poser des questions sur mes origines. Une seule chose est sûre, c'est que je n'ai pas de sang bleu. Crois-tu que pour ma part, je sois tellement assuré de ma noblesse ? Si mes ancêtres avaient du tempérament, ce que je crois et ce que j'espère, ils ont bien dû fauter avec la roture, ne serait-ce que pour redonner un peu de vigueur à la lignée. Parti sur le marivaudage, nous ne voyons pas le temps passer. La décontraction n'est pourtant qu'apparente. Je surveille les alentours du coin de l'œil et Monica s'en aperçoit. « Quelque chose t'inquiète ? » chuchote-t-elle. « Oui, j'ai fait une curieuse rencontre hier soir. Je dînais avec un ami quand je me suis rendu compte que lui ou moi étions surveillés. J'ai eu la confirmation absolue que c'était moi qui étais visé un peu plus tard. « Comment as-tu pu le savoir ?» demanda Monica. « Eh bien, j'ai subtilisé le carnet de la personne qui m'espionnait. » Me voici dans l'embarras de lui raconter exactement ce qui s'est passé parce que je ne me soucie pas de parler de ma rencontre avec Hélène. Monica n'est certainement pas jalouse, mais avec les femmes, on n'est jamais trop prudent. Je feins donc d'avoir soupé avec un ami, ce qui complique un peu l'épisode de la voiture. Et je prie le ciel d'être cru. Intelligemment, Monica ne pose aucune question. Après tout, c'est le résultat qui l'intéresse. Deux précautions valant mieux qu'une, nous nous séparons avant de descendre du train. Ma partenaire prend un taxi pour gagner le lieu du rendez-vous. J'emprunte plus banalement le tramway qui me dépose quelques minutes plus tard dans la rue de ma destination. Il s'agit d'une villa sur les hauteurs de Lausanne. Quand je pénètre dans la demeure, Monica est déjà dans le salon où elle attend sagement Roger Masson. La réception est identique à toutes celles dont le colonel a pris le pli, avec une variante qui ne m'échappe pas, la villa est à l'évidence protégée de l'intérieur et surveillée à l'extérieur. Notre chef a déjà reçu de Monica un premier compte-rendu de notre mission à Berlin. Il m'en redonne les grandes lignes, histoire de vérifier que nous travaillons bien sur la même version. Je complète le tout par le récit de mon rendez-vous munichois avec Heydrich, en m'efforçant de ne rien omettre. Je n'oublie aucun détail, ni les surveillances avérées, ni les menaces éventuelles dont Monica et moi pourrions faire l'objet. Hochant doucement la tête, le colonel manifeste ainsi sa propre préoccupation et nous fait part de ses inquiétudes. Je pense comme vous. Même si Heydrich vous fait confiance, il ne manque pas dans son entourage de traîtres et de provocateurs qui vous enverraient volontiers dans un camp de concentration. Il nous faut encore redoubler de prudence, ce qui nous fera perdre beaucoup de temps, mais ce qui garantira votre propre sécurité. Avec ce que vous savez, vous pouvez causer des dégâts irréparables en Allemagne comme en Russie. Roger Masson éprouve une réticence marquée à parler d'Union soviétique. Pour lui, c'est la Russie qui est éternelle, avec ou sans petit père des peuples. Je suis quand même intrigué par ces paroles. À qui pensez-vous quand vous parliez de traîtres ? Je n'ai que l'embarras du choix. Des SS qui veulent nuire à Heydrich, des subordonnés ambitieux, des supérieurs qui le craignent, comme Göring ou même Himmler, sans parler des agents provocateurs du GRU soviétique ou même de l'Intelligence Service anglais. À vrai dire, vous devriez vous méfier de tout le monde et de chacun, et peut-être même de Heydrich lui-même, sauf si vous croyez à son amitié.
L'amitié de Reinhardt, franchement, je commence à nourrir quelques doutes, au moins jusqu'à ce que je puisse tirer au clair cet incident de Lyon. Je m'en ouvre à Masson dans les mêmes termes que ceux que j'avais utilisés vis-à-vis de Monica. Connaissant mon penchant pour les aventures sentimentales, il ne gobe qu'à demi la fable de mon ami, tout en sachant, comme moi, que l'essentiel se trouve ailleurs. Lorsque je sors de la poche, le carnet gris, frappé de la swastika noire que je ne pouvais pas montrer à Monica dans le train, le colonel ne peut cacher son étonnement. « Eh bien, vous êtes décidément un amateur des plus doués, si tant est que l'on puisse encore vous traiter d'amateur. Avez-vous une idée de ce que représente une prise comme celle-ci ? » Les noms de code d'un bon paquet d'agents du SD, des comptes rendus de réunion, sans compter, ajoute-t-il, avec un clin d'œil, « Je pense que nous allons enfin apprendre des choses sur votre vie privée. » Je feins de m'indigner. Pour ce qui est de ma vie privée, ne serait-il pas plus facile de me le demander ? D'ailleurs, j'aurais pu arracher les pages me concernant. Je vois que le métier entre, mais je ne me laisse pas interrompre par Masson, je continue de plus belle. J'aurais même pu vendre ce carnet à un autre service que le vôtre, voire le rendre à son propriétaire en échange de sa discrétion et de sa collaboration. Le colonel sourit et continue. Plus sérieusement, que va faire selon vous ce Nojox qui s'est fait prendre son précieux carnet ? À mon avis, rien du tout. Il sait que je suis l'ami de son chef, mais il peut raisonnablement escompter que voulant garder la main et le contrôle de la situation, je n'en parlerai à personne. Vous avez raison. Je vous conseille, par conséquent, si je peux encore prétendre à une telle démarche, d'ignorer simplement l'incident de Lyon. Chacun sait de l'autre qu'il sait. En ce qui concerne Nojox, la faute de la perte du carnet ne lui serait pas pardonnée facilement et il va vivre quelque temps dans l'angoisse. Vous, vous serez dans une position bien plus confortable. Confortable, mon colonel, j'ai bien peur de ne pas vous suivre. Eh bien voilà, de deux choses l'une. Ou bien il se tait, en redoutant qu'à chaque moment il peut être dénoncé et discrédité auprès de son chef, ou bien il annonce sa bourde et il est puni sévèrement, voire très sévèrement, dans l'instant même qui suit ses aveux. Si j'ai bien compris, Heydrich n'est pas un tendre. À mon avis, il va se taire. Je réfléchis. Mais si d'aventure, toute honte bue, il avoue sa perte, même s'il franchit ce pas, rien n'indique qu'il vous accusera de détenir ce carnet. Il aurait pu être perdu ou subtilisé par les services français. Et si tout de même, il m'accuse nommément. Eh bien, dans ce cas, hautement improbable, vous n'avez qu'à dire que ne voulant nuire ni à ce serviteur zélé, ni au service et encore moins à Heydrich, vous avez détruit le document compromettant. Et si je le remettais tout simplement à Heydrich, après que vous ayez pris toutes les dispositions pour en analyser le contenu, bien évidemment. Non, répondit calmement Roger Masson, je ne pense pas que cela soit une bonne idée. Et pourquoi ? Ne serait-ce pas la preuve de ma confiance absolue et de l'amitié indéfectible en Heydrich ? Le maître espion me fixa longuement puis m'expliqua sa position. Non, il y a au moins trois bonnes raisons pour ne pas rendre le carnet à Heydrich. D'abord, il est trop tard. Cela aurait pu être une option, mais alors il eût fallu réagir tout de suite. L'appeler pour dire que vous avez un document important à lui faire parvenir dans les plus brefs délais. Toute attente devient suspecte. Ensuite, il serait difficile d'expliquer à votre ami qu'un de ses collaborateurs, un professionnel, s'est fait soulager d'un document précieux par un simple amateur. Heydrich comprendra que vous avez subi une formation très spéciale. Quel que soit le degré d'amitié qu'il vous porte, croyez-moi d'instinct, il se méfiera, ce qui franchement ne nous arrange pas. Enfin, bon gré mal gré, vous tenez ce Nojox, du moins pour l'instant. Et s'il n'est pas suicidaire, je pense qu'il va se taire et de ce fait pourra nous être utile. Effectivement, vu sous cet angle, les arguments de Masson sont imparables. Donc, si on arrive à ces extrémités et qu'on m'accuse de l'avoir en ma possession, je dis tout simplement, en protestant de ma bonne foi, que j'ai immédiatement détruit le carnet compromettant. Oui, tout simplement. Mais personne ne me croira. Non, mais nul n'osera mettre votre parole en doute. Surtout, n'oubliez jamais que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, il est essentiel de conserver toujours une part de mystère. Ce qui revient à ne faire confiance à personne. On peut le dire ainsi, en ajoutant totalement. À votre plus cher ami, vous n'avez pas à tout dire. Les rapports humains supportent difficilement la franchise absolue. Ces propos peuvent vous choquer, mais le renseignement exige l'équilibre des relations. Ceci, compte tenu de la disposition des apports, du bilan des forces parfois instable, oblige de temps à autre à peser en douce sur un des plateaux de la balance. Cela veut-il dire que le marché des échanges doit être à tous les niveaux équilibré ? Par exemple, je vous donne une information et vous m'en redonnez une en contrepartie. Si en revanche, je suis le seul à donner, le système se grippe. C'est exactement cela, à une nuance près. Il se peut que cette équivalence doit être conjuguée dans le temps, sur une période plus ou moins longue. Il faut alors que la confiance préside aux relations entre les parties. J'ose alors, malicieusement, la question qui fâche.
Tout ceci est bien beau, mon colonel, mais dans notre relation, si je vois bien ce que je vous apporte, j'ai toujours du mal à saisir la contrepartie dont je pourrais bénéficier. Même s'il en fut convenu ainsi au départ, d'après votre analyse pertinente, vous devez bien convenir qu'il n'est pas d'échange plus déséquilibré que le nôtre. En apparence, oui, mais sur le court terme seulement. À y regarder de plus près, et de plus loin d'ailleurs, vous allez gagner une sécurité qui retentira positivement sur la bonne marche de vos affaires. Je poursuis en poussant mon avantage. Est-ce à dire que ma banque est assurée de l'appui discret du gouvernement fédéral et qu'en conséquence, je n'ai rien à craindre d'éventuelles investigations quant à la personnalité de mes clients ou de la provenance de leurs fonds? Le colonel, plongeant son regard dans le mien et d'un ton qui se veut solennel, m'assure. C'est cela. Je vous donne ma parole que les services que vous rendez à la Suisse ne seront jamais oubliés et que nous veillerons soigneusement à ce qu'aucun procès, au sens large, ne vous soit fait en quelque domaine que ce soit. Je peux donc compter sur votre appui et protection en toutes circonstances. En toutes circonstances, mais à une condition, m'assure le colonel. Une condition? Une seule. La condition, c'est que vous n'enfreignez pas la loi. Je l'entends bien ainsi. Alors, nous sommes d'accord, conclut Roger Masson dans un demi-sourire. Effectivement, le pacte est honnête, ce qui n'enlève rien au plaisir de travailler avec vous. Toutefois, et je sais que vous me croyez, si j'ai dans un premier temps accepté de plonger dans cette aventure, c'est exclusivement par amour de mon pays. Et dans un second temps, me taquine Monica, par curiosité, puis par plaisir, par défi, par goût du jeu, sinon du risque. Après cette discussion sur l'art, il nous faut bien revenir à la manière. Nous devons à présent programmer minutieusement les jours à venir. Monica a reçu de Canaris, qui ne veut pas correspondre avec moi directement, une invitation qui m'est destinée. Je dois me rendre non pas à Berlin, mais à Amsterdam, où l'amiral a ses habitudes. La chose est, paraît-il, urgente. Nous décidons que je vais me mettre en route dès la semaine prochaine. Je traverserai la France, puis la Belgique, ce qui m'assurera une bonne marge de sécurité. Une surveillance éloignée me sera accordée par les services suisses jusqu'à la frontière néerlandaise. Masson allait profiter de ce long voyage pour s'assurer si je suis encore sous la protection du SD. Ce cap franchi, je suppose que je serai pris en charge par l'Abwehr. Nul besoin que ces messieurs croisent mes anges gardiens helvétiques. Monica préviendra l'amiral et recevra les dernières précisions concernant notre rencontre. Avant de nous séparer, Roger Masson, mi-figue mi-raisin, nous dit à brûle-pourpoint. Au fait, vous vous êtes fait passer pour très proche, mais Canaris sait très bien que vous êtes mariée, chère Monica. Cela ne l'a pas troublé que vous veniez avec un autre homme sous son toit? C'est ce qui s'appelle prêcher le faux pour savoir le vrai. Mais la réplique est à la hauteur de l'attaque. J'ai présenté Gottfried comme un ami très cher et rien de plus. Elle affiche la modestie. Nos relations sont plus, comment dire, cérébrales, et c'est beaucoup mieux ainsi. Maintenant, il est évident que je ne peux rien contre les rumeurs. Rassurez-vous, il n'y en aura pas. Une heure plus tard, alors que nous reprenons le chemin de la gare, dans une voiture banalisée et sécurisée du service, je lui glisse à l'oreille sur un ton provocateur. Quel dommage que tu sois mariée. Elle me répond le plus sérieusement du monde. Compte tenu de ton tempérament, je ne pense pas que nous formerions un couple durable. On ne peut pas dire plus gentiment qu'il existe des hommes qu'il vaut mieux ne pas épouser, et que manifestement, je suis de ceux-ci. Je rentre à Zurich et Monica part pour Genève. Je saute sur le marchepied du wagon de première classe qui s'ébranle déjà, tandis que ma partenaire me fait en guise d'adieu un signe de la main des plus élégants. Le soir tombe, mon chauffeur m'attend à la gare de Zurich. Demain, je reçois les douaneaux et leur accompagnateur. Les militaires et les curés n'ont rien à faire, mais ils le font de bonne heure. Dès l'ouverture de mon établissement, le capitaine et sa femme s'en viennent camper dans mon antichambre, flanqué d'un homme à la stature courte et massive, au visage énergique. Voici donc Darnan, le front dégagé, fines lèvres, petites moustaches, le regard fixe avec un éclat cruel. Irrésistiblement, je le vois revêtu de la capote bleu horizon, boueux, le visage noirci, sautant dans les tranchées, se précipitant, poignard à la main pour trucider impitoyablement les grenadiers adolescents en vert de gris. Pauvre bougre, terré au fond de quelques casemates, oublié de Dieu et des hommes, affamé, transi de froid, les yeux hagards, attendant la mort, paralysé par la terreur. Cette vision est certes celle que donne la propagande allemande de la barbarie de ces nettoyeurs de tranchées qui terrorisaient les armées du Kaiser. Elle était d'ailleurs stupide, car contre-productive, en ce qu'elle contribuait bien davantage à démoraliser les combattants qu'à les galvaniser. Combien en a-t-il tué? L'homme qui se tient devant moi et qui me serre la main d'une poigne ferme. Je gage que si je lui posais la question, il serait bien en peine de me répondre. Les douaneaux ont bien davantage que des économies. Ils sont riches. De l'or, des valeurs, des bons de la défense, des bons du trésor, et surtout de l'argent. Des pièces de toute époque, frappées de tous les sceaux, une collection vaste et étonnante, propre à éveiller l'intérêt des numismates les plus exigeants.
Comment sont-ils parvenus à faire sortir toutes ces richesses sans éveiller les soupçons de la douane française? Cela, je l'ignore. Cependant, il faut remarquer que leur allure et les décorations, légions d'honneur et médailles militaires, doivent imposer le respect. Quant au transport, la robuste Delage de Joseph Dardan l'assurait sans défaillir. Nous nous acquittons des formalités d'ouverture des comptes, l'un pour chacun de mes nouveaux clients, et je leur propose, après avoir fait un tour de la ville, de revenir partager mon déjeuner. C'est le moins que je puisse leur offrir. Leur nationalité est peu représentée dans mes livres. Les Français, dont on dit qu'ils épargnent beaucoup, conservent de leurs racines terriennes un goût certain pour la thésaurisation. Le bât de laine, emblème national, bien plus représentatif que le coq gaulois, est dans toutes les maisons. On ne consent, au-delà du Jura, à se défaire de ses Louis ou de ses Napoléons que pour acheter des terres, acre par acre. Je demande donc à mes invités quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont souhaité mettre leur disponibilité à l'abri dans mes coffres. C'est Dardan qui répond. Il évoque le choc du Front populaire, le gouvernement dirigé par un juif soutenu par les communistes, tolérant les coûteuses occupations d'usines, nationalisant les chemins de fer. Il tient certes le discours du Parti social français, que je connais bien et que je lis de temps à autre dans le petit journal. Mais je dois bien avouer qu'il y ajoute une flamme, une conviction qui me font penser à d'autres propos, à d'autres emportements, mussoliniens ou nationaux-socialistes. Attentif, comme respectueux de ce prolétaire, le capitaine et son épouse me jettent de temps à autre un regard complice pour souligner combien ils partagent ses opinions si peu nuancées. Je ne peux m'empêcher d'émettre quelques réserves. Monsieur Dardan, je comprends vos frustrations, vos regrets et l'échec du 6 février 1934, mais je ne suis pas sûr que le colonel de Larocque partage toutes vos idées. Vous avez raison, monsieur le baron. Il me donne du baron comme s'il était mon métayer. Mais voyez-vous, le colonel de Larocque est comme tous ses chefs, il se laisse prendre aux griseries des cercles politiques parisiens. Est-il besoin de parlementer avec les Rouges ou avec ce gâteux d'Édouard Henriot? Je ne serais pas étonné qu'avec quelques autres de nos députés, il aille finalement soutenir le gouvernement pour peu que Léon Blum le quitte. Et vous, capitaine, qu'en pensez-vous? Comme mon ami Dardan, je comprends de moins en moins Larocque et je me sens mieux en communion avec le comte de Paris. Il y a davantage de pureté chez lui, d'authenticité. D'ailleurs, vous devez le savoir. Il fait sans doute allusion à mon essence aristocratique. Mais il se trompe sur un point. Il n'y a pas plus démocrate que moi. Je le lui dis sans embâge, en prenant toutefois la précaution de me réfugier derrière mon statut de Suisse. Nous autres Helvètes, nous avons ce privilège d'appartenir à la plus vieille démocratie du monde. Nos premières armes, avec le pouvoir populaire, nous les avons faites avant même que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique. C'est vous dire. Notre réforme, celle de Zwingli, est intervenue avant que Calvin ne s'installe à Genève. Nous sommes devenus, avant les Pays-Bas, la référence démocratique et nous en sommes fiers, comme de notre armée nationale, antérieure à toutes les autres. Pardonnez-moi de vous rappeler tout ceci, mais vous autres Français connaissez si mal l'histoire de vos plus proches voisins. Le capitaine sourit. Cela n'a pas été sans mal. Les jacqueries, les conjurations, les soulèvements n'ont pas été rares. Et que je sache, le major Davel et Samuel Hensy sont vos héros nationaux, mais des héros contestés. Me voici étonné de son érudition. Tout le monde ne connaît pas, hors de la Confédération, le major Abraham Davel et ses aspirations populaires, ni le publiciste Samuel Hensy, meneur de la petite bourgeoisie, qui a connu la même fin, la décapitation, avant d'être réhabilité. Je le lui dis, ce qui m'attire un regard de reconnaissance de son épouse. Je mets à profit cette bienveillance pour m'adresser à Joseph Dardan, que je sens réceptif à mes propos. Puisque nous sommes ici en confiance, je dois vous avouer que je m'inquiète de la vague d'assassinats qui depuis quelques mois sont perpétrés en France et qui apparemment restent non élucidés. Il existe en France une organisation secrète qui s'est donnée pour mission d'éliminer les traîtres à la cause nationale. Les ennemis de la France, pour la plupart des juifs, des communistes et des francs-maçons, lâchent Dardan en se resservant une bonne dose de vin. Je réplique aussitôt, mais Dimitri Navachine était un banquier comme moi. Banquier, oui, comme vous, non. Vous savez bien qu'il dirigeait la Banque commerciale pour l'Europe du Nord, une succursale de l'URSS. Vous m'avez l'air parfaitement renseigné. Vous ne connaîtriez pas le nom de l'assassin par hasard? Peut-être. Il dit cela, tranquillement, comme si la mort d'un homme était une chose tout à fait anodine. Et les autres? Léon Jean-Baptiste et Maurice Juif? Ils ne sont pas communistes, ni francs-maçons. C'est différent. Ils appartenaient à l'organisation et ils ont essayé de la flouer en prélevant un pourcentage sur les achats d'armes qu'ils faisaient en son nom. Des escrocs. Quand vous parlez d'organisation, qu'entendez-vous par là? Je ne peux pas vous le dire, ce qui veut dire que vous la connaissez, ou peut-être même que vous y appartenez. C'est vous qui le dites. Il me répond cela sans agressivité, sans provocation non plus. Je comprends sa soudaine prudence. Je réalise que Dardan doit appartenir à une société secrète où règne une discipline de fer. Ces gens-là cultivent le secret, et je comprends qu'ils exècrent la République, les bolcheviques, les juifs, et même les francs-maçons. Autant de haine que ces extrémistes partagent avec le SNDAP d'Adolf Hitler.
Et que pensez-vous d'Hitler? Ai-je lâché alors pour en avoir le cœur net? Hitler, me répond sans hésiter Darnan. Il ne semble pas être à la hauteur. Un agitateur qui a pris en main une cause qui le dépasse, mais qui en soi n'est pas si mauvaise. Quelqu'un avec qui on pourrait s'entendre? Qui sait? Les époux Doisneau, que je sens plus réservés, se regardent. Je comprends qu'il n'irait pas jusque-là. Georg Hubert s'interrompt un instant. Voilà bien l'histoire de France en 1936. Même les plus acharnés de l'extrême droite française sont encore anti-allemands. Il a fallu bien des maladresses du Front populaire pour les faire basculer à corps perdu dans les bras d'Hitler. L'officier reprend sa lecture. Quelques jours plus tard, je rencontre le plus discrètement du monde, William Canaris, sur un bateau de guerre ancré dans le port d'Amsterdam. Conformément à ma promesse faite à l'amiral et aux règles de prudence que nous nous sommes fixées, Monica ne m'accompagne pas. Elle avait convenu du lieu et de l'heure de rendez-vous avec le chef de l'Abwehr et m'avait transmise ses instructions. C'était d'une simplicité enfantine et suffisait d'y penser. Le croiseur léger Köln, de retour de la guerre d'Espagne où il a été engagé, a fait une escale technique dans le port hollandais, d'autant plus nécessaire qu'il rapatrie à son bord un grand nombre de réfugiés allemands qui ont fui les combats. Dans la foule de ces pauvres gens, totalement étrangers au sanglant règlement de compte entre franquistes et républicains, qui déambulent tristement dans les coursives en quête d'amis ou de parents venus d'Allemagne pour les ramener au pays, je passe parfaitement inaperçu. Bien malin, qui pourrait me remarquer lorsque je gagne le carré des officiers où, sourire aux lèvres, le chef de l'Abwehr m'invite à déjeuner avec son ancien subordonné, le commandant de bord. Il me présente à ce dernier, dont je n'ai pas retenu le nom, comme un de ses amis helvétiques. Le maître de bord, à visage ouvert et calvitie naissante, me souhaite la bienvenue et assiste à l'échange des cadeaux, du cognac pour mes hôtes et pour moi, un album de photos soigneusement emballé. Ce sont les photos de notre réveillon de Noël, précise l'amiral, et c'est Erika qui l'a confectionné pour vous. Je le remercie chaleureusement et je porte un toast à la Kriegsmarine, une coupe du meilleur champagne en main. On sait recevoir dans toutes les marines du monde. Le capitaine du vaisseau se retire et je me retrouve seul avec Canaris. Nous procédons à une indispensable mise au point. Sans grande surprise, il me dit partager ma préoccupation concernant la sécurité de Monica. Il a tout de suite compris que je ne me fiais pas aveuglément à l'amitié de Reinhardt et que deux sûretés valant mieux qu'une, il était prudent que le SD ignore son identité. Ce qui complique un peu les choses, mais ce qui vous procure l'occasion de mettre à l'épreuve la loyauté de votre ami. À ce moment, je ne sais pourquoi, je cède à l'envie de lui raconter l'incident de Lyon. À son regard, je sens que j'ai touché juste et qu'il apprécie cette marque de confiance qu'il commente sobrement. Vous avez bien fait de me parler de cette histoire. Elle sonne comme un avertissement sans frais. Comme vous, je pense que Nojox n'ira pas se vanter de son erreur. Vous le connaissez ? Je le connais. C'est un carriériste sans scrupules. Il envierait à un aveugle son chien guide. Il est ambitieux, mais il a une qualité, l'intelligence. Donc, aussi longtemps qu'il sera assuré de votre silence, il se tiendra tranquille, mais pas au-delà. Soyez sûr que vous êtes entré de plein pied dans le royaume des coups tordus et de la trahison. Mais qu'ai-je à redouter ? Tout simplement que si les choses tournaient mal en Allemagne ou en Russie, qu'on aille vous dénoncer comme un provocateur français ou anglais et qu'on vous fasse la peau. Mais que dois-je faire pour me protéger ? J'ai pensé à cela et je vais donc préparer une parade. Écoutez bien, d'ici à quelques semaines, les services d'archives de la Reichswehr vont être cambriolés. L'affaire sera tenue discrète, mais je ferai le nécessaire pour que cela se sache où il le faut, à Berlin et ailleurs. Cela vous mettra hors du coup.